Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. L'état de la route territoriale 3 reliant Wailou à Bouraï se dégrade et inquiète les coutumiers de l'air Anjaro. Interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, les règles ne sont pas respectées. Selon eux, ils se sont mobilisés sur place aujourd'hui pour interpeller les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils ont été entendus ? Réponse dans cette édition. La sécurité, justement, le dégel électoral et aussi la liberté vaccinale sont les thèmes de campagne de Véronique Pagan. À 51 ans, la conseillère municipale en charge de la commission des sécurités dans la commune de Dimbéa est candidate pour la députation dans la seconde circonscription. Véronique Pagan est notre invitée ce soir. Et enfin, marquer des paniers en fauteuil roulant pour comprendre les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. C'est l'objectif affiché des 23 élèves du lycée professionnel de Saint-Joseph de Cluny. Reportage à la fin de cette édition. Je vous le disais, en titre au col des Roussettes, l'état de la route inquiète les coutumiers de l'air Anjaro. Ce matin, ils ont décidé d'interpeller les pouvoirs publics sur cette route territoriale 3 reliant Bouraï à Wailou, la circulation pourtant interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Les coutumiers ont constaté que les usagers ne respectaient pas la route. Des discussions ont eu lieu avec les gendarmes et l'agent de la province sud en charge du secteur. Sur place, notre journaliste Aurélie Chan. À partir du moment où ça dépasse les 3,5 tonnes, ben c'est interdit parce que, par mesure de sécurité, pour éviter que déjà qu'ils aient un problème et que la route elle parte entièrement, parce qu'une fois que la route elle est partie, il va falloir faire le grand tour, parce que c'est pas demain qu'on va réparer. L'agent patrouilleur de la province sud en charge de la gestion des routes territoriales pour la Nouvelle-Calédonie confirme les poids lourds contribuent à la dégradation de la RT3 au col des Roussettes. Ce matin, plusieurs coutumiers venus des tribus alentours se sont réunis pour évoquer l'urgence de la situation. Il part parce que c'est vide en dessous. Tout ça, là, il va partir tout ça. Oui. Sur environ 10 mètres, la moitié de la voie a complètement disparu. En cause, un éboulement survenu au mois d'avril. Malgré les interdictions en cours, les camions de plus de 3,5 tonnes continuent de passer à leur risque et péril. La route, il va céder. Et le problème, c'est nos familles là-bas. Nos familles là-bas de Wailou qui viennent aussi ici au village, qui est par rapport aux malades, aux courses qu'ils vont faire, par rapport aussi à la paperasse. Ils vont être bloqués et ça va pénaliser non seulement eux, mais nos familles aussi qui vivent ici. Autre préoccupation, la solidité de l'infrastructure mise à l'épreuve à chaque intempérie. Surtout, voilà, la cause elle est due à un manque d'entretien des bus là, ici. Quand il pleut ici, là, ben, tout ça, là, c'est l'eau qui descend tout partout ici. Là. Et pour l'instant, maintenant, là, le caniveau, là, il est bouché. L'eau, il passe sur la route. Plusieurs solutions ont été évoquées ce matin pour empêcher les réfractaires de passer. En attendant, tolérance zéro. Les gendarmes vont passer à la verbalisation. Dans 12 jours, les Calédoniens seront appelés aux urnes pour le premier tour des législatives. La campagne se poursuit pour les candidats à la course à la députation. C'est l'heure de retrouver votre page politique.
Et pour que vous preniez connaissance des programmes, la propagande électorale est envoyée par la poste. Aujourd'hui, dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa, se tenait la traditionnelle opération de mise sous plaie. Une centaine de jeunes ont été recrutés. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Boursier, directeur de la légalité des affaires juridiques au commissariat. 160 jeunes ont été recrutés pour cette opération. Alors c'est un travail rémunéré pour ces jeunes, effectivement. Il fait 160 jeunes grâce à la province du Sud et notamment à la direction de l'emploi et du logement. Nous avons pu effectivement avoir recours à ces 160 jeunes qui sont encadrés par l'association Active. L'association Active qui a également mis en place des encadrants pour chacune des tables et certains des salariés d'Active sont ici présents et le tout est chapeauté par des agents du Haut Commissariat qui sont des agents du bureau des élections. Voilà des propos recueillis par Audrey Poédy. Virginie Ruffnac était en réunion avec ses militants pour organiser la suite de sa campagne. La candidate de la première circonscription a choisi de miser sur la proximité pour présenter son programme. Des opérations de distribution de tracts auront lieu tout au long de cette semaine à Nouméa et sur les îles. On l'écoute. Oui, tout à fait. À l'image des 4 mois de campagne de grande proximité qu'on a eu avec les Calédoniens partout sur cette première circonscription, notre programme, nous avons décidé de ne pas l'envoyer par la poste, mais d'aller à la rencontre des Calédoniens pour le distribuer partout. Et c'est basé sur une équipe très dynamique qui m'a porté durant toute cette campagne d'hommes et de femmes et qui vont maintenant aller effectivement essayer de convaincre les Calédoniens avec notre programme. Et c'est comme ça que je conçois une campagne, c'est dans un échange avec les Calédoniens, dans la proximité et la clarté. Qui se décline en 8 axes avec plusieurs propositions phares telles que le dégel du corps électoral, la négociation d'un plan d'investissement de l'État en Nouvelle-Calédonie ou encore par la mise en place d'une vraie politique carcérale. On l'écoute de nouveau. Je souhaite le développement humain et économique de la Nouvelle-Calédonie au-dessus de tous les dogmes. C'est notre priorité aujourd'hui, ce développement humain et économique, parce que notre Calédonie est en difficulté et on l'a ressenti tous les soirs lors des réunions. Beaucoup de Calédoniens sont très déprimés, ont peu de confiance dans leur avenir. Et donc il s'agit vraiment de faire rebondir notre territoire. Il n'y aura pas de paix en Nouvelle-Calédonie s'il n'y a pas de développement économique. On ne peut pas se regarder dans la glace si on n'est pas capable de donner du travail à notre jeunesse, qui est notre plus beau potentiel. Et donc cette relance économique et la réconciliation des Calédoniens, avec vraiment un investissement fort sur le sport, la culture de la part de l'État, tout autant que sur l'économie et l'énergie et l'électricité, ce sont des axes forts pour montrer que voilà, on veut remettre du lien social, du lien humain, et aussi faire rebondir l'activité économique en Calédonie. Aux îles, cette fois-ci, plus de 50 personnes ont suivi lundi matin le lancement officiel de la campagne des deux candidats indépendantistes de la première circonscription au Faré de la province des îles. L'occasion d'échanger et d'expliquer leur démarche auprès des institutions et des militants. Un reportage d'Henri Nailou. J'ai été surprise, confidée, d'avoir été nommée Le meeting de lundi matin était un point de départ important pour les deux candidats indépendantistes à la députation. Une étape capitale pour repréciser leur mission auprès des institutions et des militants. Et pour la candidate Kanak, sa mission principale est claire. Alors d'abord, j'y vais pour la question de l'avenir institutionnel de notre pays. C'est là que tout va se décider après les discussions bilatérales avec l'État sur les différents points que j'ai déjà eu l'occasion de dénoncer aux médias. Mais ma première ambition et mon premier objectif, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, d'actionner tous les leviers possibles à l'Assemblée nationale comme au niveau international pour que notre pays accède enfin à sa pleine souveraineté. Beaucoup d'échanges et de soutien leur sont adressés par la population et même s'ils n'ont pas vraiment détaillé leur programme sur la question de la vie chère, ils se veulent être les porteurs de la voix des travailleurs et des chômeurs victimes de l'inflation. Je fais confiance au gouvernement, au premier gouvernement de majorité indépendantiste de ce pays, ça il faut le souligner, qui prend en ce moment toutes les mesures qu'il faut, qui travaille avec tous les partenaires, qui travaille en collégialité pour que cette question de vie chère, qui concerne la planète, pas que notre pays, soit résolue de la meilleure manière possible dans notre pays. J'ai confiance en vous et le mot d'ordre, c'est qu'il faut travailler, en plus c'est la cause.
convaincus du soutien et de la confiance que leur témoigne la majorité des Iliens. Pour la femme de Djihou, la bataille doit surtout être menée dans la capitale. Et qui sont pour les valeurs de la démocratie, qui sont pour les valeurs des droits de l'homme. Ils doivent venir nous soutenir. Ils doivent soutenir le peuple kanak et qui lutte depuis tant d'années pour sa pleine souveraineté, pour son indépendance et pour sa dignité. À l'issue de la réunion, les deux candidats indépendantistes se sont envolés lundi vers Nouméa pour d'autres meetings et d'autres rencontres. Et parmi les candidats, Véronique Pagan a 51 ans, elle travaille dans le domaine de la santé. Elle est conseillère depuis 2020 à la mairie de Dimbéa pour Debout la France. Elle est suppléée par sa fille de 22 ans qui est actuellement en France. Issue de la droite sociale et souverainiste, Véronique Pagan avait été candidate pour les élections européennes pour la liste Les Amoureux de la France, partie de Nicolas Dupont-Aignan. Donc elle est aujourd'hui candidate pour les législatives. Les thèmes de sa campagne: la sécurité, le dégel électoral et aussi la liberté vaccinale. Et nous avons le plaisir de la recevoir ce soir dans nos studios de Koné. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une simple question pour commencer. Pourquoi vous vous présentez ? Alors déjà, pour apporter un peu de féminité dans la seconde circonscription, parce que nous sommes que trois femmes à nous présenter. Et considérer que la parité n'est pas respectée Eh ben, en fait, peut-être un peu de courage. Mmh. Les femmes, peut-être, sont un peu plus courageuses dans certains cas. Donc, c'est vrai que c'est important. Mmh. Et également, pendant les élections présidentielles, j'ai constaté que l'électorat de Nicolas Dupont-Aignan était resté stable par rapport à 2017. Et donc, je pense qu'il fallait vraiment que je me présente pour satisfaire cet électorat qui ne se reconnaissent pas forcément dans d'autres partis politiques. Mmh. Alors, l'actualité, c'est aussi la vie chère. Hein. Demain, le prix de la bouteille de gaz va encore augmenté, et pareil pour le prix du gasoil, ça pèse de plus en plus hein, sur le portefeuille des Calédoniens. Alors si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quelle solution proposeriez-vous donc pour sauver entre guillemets la situation ? Alors c'est une compétence pays, mais le rôle du député sera justement d'aller chercher des fonds en métropole ou peut-être même en Europe. Enfin, je veux dire, il faut défendre, il faut trouver des fonds pour justement peut-être pour que le gouvernement dispose de ces fonds pour justement lutter contre la vie chère. Donc vous ferez appel à la solidarité nationale. Exactement. Hein, à la vie chère. Vous venez d'entendre Virginie Rufnak et également Wali Wahicha sur leur campagne. C'est deux grands partis entre guillemets. On a les loyalistes d'un côté et les indépendantistes de l'autre. Où est-ce que vous vous situez et comment allez-vous faire vous démarquer dans donc ces partis traditionnels? Eh ben, disons que peut-être la nouveauté, peut-être un autre choix pour les Calédoniens. Enfin voilà, c'est et aussi peut-être que c'est vrai que je suis aussi une femme aussi parmi ces deux candidates qui se présentent sur la première circonscription. Alors la nouveauté, vous êtes patentée dans le domaine de la santé. Actuellement, le pays est confronté au manque de médecins. Que proposez-vous justement pour débloquer la situation? Même encore une fois, là c'est encore une compétence pays. Voilà. Mais qu'est-ce que vous allez proposer Déjà, bon, le problème est posé déjà en métropole aussi avec la pénurie de médecins également. Je pense qu'il faudrait déjà réintégrer tous les soignants qui ont été suspendus. Et justement, on pourrait peut-être bénéficier de tous ces soignants qui ont été suspendus. Et encore une fois, de la solidarité nationale. Exactement. Le dégel électoral est votre objectif, hein ? Vous dites exclu car vous êtes arrivé au pays depuis 21 ans, vous êtes en Calédonie depuis 21 ans, vous dites aussi que vous participez à l'économie du pays. Alors qu'iriez-vous dire à l'Assemblée nationale pour dégeler le corps électoral? D'ailleurs, il faut une révision de la Constitution pour ça. Alors justement, comme le rôle du député, c'est de participer aux discussions sur l'avenir institutionnel, je défendrai justement le droit de vote pour tous avec un dégel du corps électoral glissant pour les résidents de plus de 5 ans. D'accord. Voilà. Et alors, comment vous entamez cette ligne droite, cette dernière ligne droite sur le terrain? Est-ce que vous allez justement sillonner la province nord Oui, ben justement, voilà. Bon, je vais faire beaucoup de réseaux sociaux.
Et après, beaucoup de terrain aussi. Je pense que le plus important, c'est d'être à la rencontre de la population. Et c'est pour ça aussi que je suis dans le Nord toute cette semaine, pour justement rencontrer toute la population du Nord également. Alors, être député, c'est aussi représenter les Calédoniens et qui votent également les lois à l'Assemblée nationale. Quelle première proposition vous allez présenter dès que vous allez être élu à l'Assemblée nationale ? Alors déjà, comme je vous l'ai dit, le droit de vote pour tous. Je pense que c'est important. Pour qu'il y ait une force dans ce pays, il faut qu'il y ait tout le monde sans exclusion. Et également, une discussion aussi avec indépendantistes et non indépendantistes, en incluant la jeunesse. En fait, comme c'est l'avenir du pays, il faut absolument qu'on n'oublie pas toute cette jeunesse qui est vraiment, qui fait le pays, en fait. Vous avez déjà discuté avec les indépendantistes ? Non, pas personnellement, mais j'en connais, justement, là, dans ma mairie aussi, et je trouve que le vivre ensemble, enfin, moi, je ressens le vivre ensemble depuis que je suis là, enfin, moi, je me considère vraiment intégrée en Nouvelle-Calédonie, c'est comme si j'étais chez moi, en fait. Véronique Pagan, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venue dans nos studios de Côte. Et merci beaucoup pour votre invitation. Le bureau de l'information des jeunes en province nord a été inauguré à Côné aujourd'hui, à l'ancienne école primaire Les Flamboyants. Ce nouveau dispositif va remplacer la MIJ, la mission d'insertion des jeunes qui existait depuis 30 ans. Les compétences donc sont l'insertion pour les jeunes. Reportage de Mathieu Le Barbier. Vous avez la salle d'accueil qui donc permet en fait d'avoir des informations, d'être accueilli par une chargée d'accueil. Vous avez également à côté en fait l'espace multimédia qui a été aménagé pour un accès libre et gratuit et bien sûr aux outils du numérique, puisque c'est essentiel maintenant à notre époque. On a 5 postes qui ont été mis à disposition. Des nouveaux locaux temporaires pour le bureau d'information jeunesse de la province Nord, géré par des agents provinciaux. Ce bureau a pour mission principale d'aider et d'accompagner les jeunes dans leur projet d'insertion professionnelle et dans l'évaluation de leurs besoins en formation. Donc on va pouvoir proposer ici, par exemple, d'inviter des partenaires du réseau Information Jeunesse en province Nord ou du réseau Information et Insertion, Formation et Emploi, le RIF, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour pouvoir informer les jeunes sur les formations, les possibilités, les dispositifs d'insertion, mais aussi ça peut être des interventions comme pour des associations comme la DIE, pour l'entrepreneuriat, l'initiative à l'économie. Ces missions étaient jusqu'à présent sur toute la province Nord, assurées par la mission d'insertion de la jeunesse. La province Nord a fait le choix de réinternaliser l'insertion dans ses services. La MIJ, c'est un partenaire avec lequel nous avons travaillé longuement, qui a toujours donné beaucoup de satisfaction. La compétence est essentiellement récupérée sur VKPP. Nous avons lancé un marché. La MIJ a répondu et a été retenue récemment. Donc c'est elle qui a le marché jusqu'à la fin de l'année sur les 13 autres communes de la province Nord. Ce bureau d'information jeunesse est le premier en province Nord. Il couvre la zone Vaud, Connay, Pointe-Boute, Poya. D'ici l'année prochaine, les MIJ devraient remplacer toutes les MIJ dans les 13 autres communes de la province Nord. Handisport pour refermer cette édition. Marquer des paniers en fauteuil roulant pour comprendre les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. C'est l'objectif affiché par les 23 élèves du lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny. Cet après-midi, les élèves ont découvert le sport. Un reportage de Michel Pimbé. Faire du basket avec des élèves valides pour permettre de mieux comprendre, ressentir ce que vivent les personnes en situation de handicap. Venceslas est en situation de handicap depuis sa naissance. Il apprécie de faire du handi-basket avec ses camarades valides. Pour leur faire montrer que malgré notre handicap, nous on est capable de faire du sport aussi. Et comme aussi ça change aussi, c'est par rapport à l'école. En cours là-bas, c'est l'EPS, mais c'est pas trop ça, c'est pas trop adapté à nous. Puis c'est pour que nous aussi, on participe aussi. C'est pour ça qu'on a fait cette journée, c'est pour que, voilà. Eux, il faut que, pour montrer aussi que nous aussi, on peut faire du sport même avec notre handicap.
Dans cette classe de première, deux élèves sont en situation de handicap. Sensibiliser les élèves aux différents handicaps rentre dans le cadre de l'inclusion scolaire mis en place depuis 2005 avec la loi pour la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Alors, ça rentre dans le cadre donc, de l'inclusion scolaire. Puisque on est tenu, nous, en tant qu'enseignants, d'adapter nos pratiques du coup, pour certains élèves qui ont des besoins assez particuliers. Et donc, à travers ce projet, j'avais envie de pouvoir proposer à mes élèves qui sont en situation de handicap moteur, justement, des activités qu'ils pouvaient partager avec leurs camarades. Grâce à cette action pédagogique, Yolanda, 16 ans, se retrouve pour la première fois en situation de handicap avec ce sport. Et ben, d'être assis sur un fauteuil roulant tous les jours, et ben, c'est pas facile. Et puis être à leur place, c'est comme vivre un peu ce qu'ils vivent chaque jour. Dans le cadre de leur chef-d'œuvre, le diplôme de fin d'année, la prochaine action pédagogique et inclusive sera préparée uniquement par les élèves. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée.